arrêter là. On n'a pas assez de munitions pour tenir cette position. Préparez-vous. C'est la U. Il est sans vue. Faut les repousser. Pour moi, tous ces villageois sont tarés. C'est quoi ce délire? Milice? Mon cul, ouais. On dirait que la 4e infanterie aurait besoin de secours. S'il en reste encore. Allons à Redshell, les gars. Bordel! Je parie que c'est pas un accident industriel. Pierce, jetons un œil à l'art de repos. On pourrait peut-être passer par là. Attention! Pierce, t'es allé dans les chiottes des femmes? Bien sûr, mec. Quel est l'ordre? Ah!
On dirait qu'il pille le train. Par ça. Prêt et armé. Les ordres, chef. Tu crois qu'ils sont toujours en vie? C'est forcé. C'est la seule équipe à avoir survécu. D'accord, trouvons-les. Pierce, tu passes en tête. On suivra tes ordres. On les a perdus quand? 19h. D'après le QG, ils tiraient des signaux au centre-ville. D'accord. On finit notre reconnaissance et on va au point de rendez-vous. En formation près de la porte. Ah oh, c'est coincé. Fais-la sauter. D'accord. C'est armé. RS. RS. Allez, démarre. Allez. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que vous êtes? On ne peut pas faire. Que faut-il pour tuer ces trucs? Y en a encore? Mouvement sur la droite, ils nous prennent de côté! Ah.
Attention au pont! Je recharge! Attention! Tu l'as eu! Continent. Chope-les! Tout le monde va bien. Ouais, merci Pierce. Bon sang, regardez. Ça fait un bail qu'ils sont morts. On reste concentré. On continue la recherche, ils sont quelque part. Echo, ici 2-1. Colonel Green va à rapport. Terminé. Compris, 2-1. Aucun signe de la 4e infanterie. Echo, ici 2-1. Nous allons au point de faire attention, vous n'êtes pas seul. On va vous les indiquer. Bien reçu, 2-1. Il nous faut des ordres, Pierce. Quoi encore? Tu l'as abattu! Echo, je me dirige vers un signal au nord-ouest de votre position. Bien reçu, 2-1. Avancez, on s'occupe du reste. On se rejoint au point de Charlie dans 20 minutes. Terminé. C'est quoi cette merde? À terre! À terre! Oh putain, c'est quoi ça? C'est tombé du ciel! Et merde! Il y a aussi des chiens pieuvres! Zeno, repérez. Ici Echo, base, répondez. Ici base, on reçoit. Allez-y, Echo. Demandons soutien aérien. Autorisation Delta, Echo, Echo, Yankee, Hotel Foxtrot. Reçu, Echo. Autorisation vérifiée. Les munitions arrivent. Ils approchent! Dans la tête! Mange ça, saleté de homard géant! Alors jusqu'ici. Ça sent le fruit pourri, mec. Parfait. Prêt et armé. C'est parti d'un programme d'armes biologiques. Ça doit être eux, près du palais de justice. Ok, allons-y. Thank you.
L'entrée principale est dans cette rue. Et après. Bien sûr. Ils arrivent. Deuxième étage! L'escalier est barricadé, faut trouver un autre passage! On va les retenir, continue! La Delta Force. Qu'est-ce que je suis content de vous voir. Les escaliers sont bloqués. Passez par le petit espace là-bas. Gardez les corps en vie aussi longtemps que possible.
On est ici. Ici, Echo 4. On a des blessés. On se dirige vers votre position. Dites à ces types d'ouvrir la barricade. Terminé. Ici. Quand les attaques ont commencé, on a fait un stock de munitions. Nos attaques sur notre propre territoire. Ils sont ici. C'est un exercice, vous croyez ? On peut les entendre sur la radio. Ils suivent des ordres. Ils ont un commandant, une hiérarchie et une mission. Ça ressemble pas à une milice à trois balles. Il faut nous sortir d'ici, mec. On n'est pas équipé pour ce genre de choses. Les gars, vous allez pas en croire vos yeux. Pierce, viens là ! Verrouille la porte, toi. Eh, vieux... C'est pas possible ! Réveille-toi, Ambrose. C'est Summers. On l'a trouvé en train de se cacher de la milice. Il était en état de choc, je crois. J'ai l'impression de voir un fantôme. T'es mort en Irak, Summers ? Pas tout à fait. Le gouvernement l'a gardé au sous-sol, dans un genre d'hôpital, c'est ça ? Ouais. Il y avait des détenus et des Mexicains. Mais surtout des soldats. Des portés disparus, comme moi. Il fait partie du programme médical. Ça a un rapport avec la milice qui opère dans le coin. Le projet Revenant... C'est un programme de recherche clandestin. Ils veulent créer des soldats supérieurs avec du matos retrouvé en Irak. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Des piqûres et des pilules. Des opérations. Ils essayaient les procédures plus agressives sur les sans-abri d'abord, pour voir si ça marchait. Et si ça les tuait pas, ils essayaient sur nous. Ils s'approchent. J'y crois pas. Sur l'ennemi, je veux bien. Mais pas sur nos propres soldats. Je le crois. Je m'occuperai des types qui t'ont fait ça. On met notre vie en jeu, c'est comme ça qu'on est remercié. C'est pas possible, j'ai assisté à ton enterrement. Dis-moi plutôt que t'avais déserté. Eh, hey, du con. Tu préférerais croire qu'il nous a abandonnés. J'y croirais plus facilement qu'à ces conneries, je te le dis, moi. La milice Revenant, quel est leur objectif? Ils suivent juste les ordres du gars qui nous a fait évader. Pierce, on doit le sortir de là. On devrait le ramener à la base. Le colonel Green a... Pas question. Pas ce type. Green est un politicien. Nos ordres sont de... Ambrose, nos ordres peuvent aller se faire voir, compris ? Noah Wise. Si vous la trouvez, elle peut m'aider. Elle est ici, assignée à cette opération. On va faire passer Summers en douce dans le camp et l'amener directement à Wise. Grayson, écoute-moi. Quand j'ai mis cet uniforme, j'ai fait un serment. Ouais, Summers aussi. De défendre le pays contre tout ennemi, étranger ou pas. C'est un soldat. Il a fait son boulot et regarde ce qu'il lui en fait. Je m'en fiche pas mal des ordres pour l'instant. Jusqu'à ce qu'on sache ce qui se passe, je suis là pour vous, les gars. Point barre. C'est facile pour toi. T'as pas de famille à nourrir. Ambrose, je peux prouver ce que je dis. Emmène-moi voir Noah. Hé hey, ils enfoncent la porte. Oh mon Dieu, pas encore. C'est quand la dernière fois que vous avez dormi ? Mardi, monsieur. Merde. Pierce, quelqu'un devrait les escorter au camp. Les revenants rassemblent des civils dans un endroit juste en dehors de la ville. Ils vont les tuer, ou pire. Summers, Pierce et moi, on va s'occuper de ça. Non, je veux pas vous laisser, les gars. T'inquiète, ça va aller.